Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu de bagnole, j'ai nommé Dutch Tracking Sprint Cars sur Nintendo Switch. Il est disponible aussi sur Android, donc à ceux qui l'ont sur Android, vous me direz ce que vous en pensez. Nous on va le tester sur la Switch. Donc le jeu a l'air d'être full English d'après ce que je vois. Ouais c'est ça, il est full English, donc là on a les commandes et tout, impeccable, et on peut déjà commencer. Mais avant de commencer, le jeu est disponible depuis le 10 janvier 2020, donc c'est tout récent. Il est disponible au prix de 10€ sur l'eShop. Et pour poser les bases, rejoint plus de 500 000 joueurs sur le meilleur jeu de course tout-terrain de Sprint Cars conçu par les créateurs de Dirt Tracking. Avec 410 voitures, windjet, no windjet, bitblock, modifié ou midjet, tu trouveras les niveaux de compétition tout-terrain qu'il te faut. Le jeu comprend 13 pistes, 10 ovales inventées et 3 pistes réelles, Atomic Speedway, Furbury Speedway, Brunstone Speedway, etc. etc. Découvre de vrais pilotes du monde entier dans les 4 classes ainsi qu'un mode multijoueur. Eh ben on va voir ce que ça promet. Donc full English, attention hein. Ok. Allez, c'est parti. Oh putain. Je drift déjà. Wow, impeccable. Bon, côté modélisation, hein, on sent qu'on sort de sur Android. Pas de mal à parler aujourd'hui. Et moi j'ai un peu de mal. Par contre, ouais, c'est pas mal, on drift pas mal. Bon, par contre comment c'est modélisé, c'est un peu cubique. Pas trop de sentiments, ça va. Ouais, ok, on va faire que des tours. Il y a 3 laps à faire et je suis bon dernier. A mon avis les drifts, faut pas les faire. Mais bon, je viens juste de lancer le jeu. Ok, super. Droid Tech, 12. Ah, 10 secondes, ah ouais, il y a 2 secondes quand même, hein. C'est énorme. Bon, côté maniabilité, c'est la première course. Ok, vas-y, play. Single player. Bon, dans les settings, on va aller voir vite fait. Droid Tech, tac tac tac. Bon, il n'y a pas grand chose. Carrière. Carrière, je vous laisse faire. T'as le mode multiplayer si t'as un compte et si tu payes le Nintendo Online. On va regarder les voitures. Non wing. Ouais, widget. Ouais. On va essayer celle-là. Et on va prendre. Celle-là, tiens, on va voir deux jours. Comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Ok, c'est parti. Donc, ça a l'air d'être assez basique au niveau des menus, donc assez simple pour les enfants, à la portée des enfants. Oh, ouais, lui il se met carrément en travers. Eh, mais non, mais c'est pas une course de dragster là, mais casse-toi toi. Purée, allez, vas-y, casse-toi. Bon bah déjà celle-là elle est moisie. Hein. Voilà. Par contre, là, je sais pas si vous voyez les roues, mais oula, oula. Ah, comment ça, cochon? Comment ça, cochon? Eh, cochon toi-même. Ouais, par contre, les roues, comment elle... Oh là 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 là. Mon lit a pas l'air d'être trop pété. Ça va. Au côté des bruits, bon, c'est pas terrible. Ça manque de musique, par contre. Hein. C'est... On va vite se faire chier sur le jeu. Par contre, si c'est toujours la même chose... J'adore comment les roues ils tournent. Bon, je dirais que je suis en train de jouer au Playmobil. Ok, bon là j'ai une caméra, mais pareil, elle est pétée aussi. Bon, tout est pété en fait dans le jeu. Bon, c'est un portage à 2 balles quoi. Voilà. Y a rien, hein. Y a pas d'animation, y a que dalle. En plus d'être en anglais, tu te fais chier. Donc là il y a 6 laps et j'ai fini les 6 laps. Ok, super, bon, bah qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand chose, puisque du coup il n'y a même pas de musique. C'est pauvre, c'est totalement pauvre, c'est un peu nul à chier. Pas trop d'efforts là-dessus. Et du coup on en fait combien comme ça? Oh le délire! Ah oui d'accord. Ouais vas-y casse-toi, hop on va voir. Hop on continue. J'espère arriver premier. Ah, je suis troisième, même pas troisième. Non, je suis même pas troisième. Je vais essayer de lui prendre l'intérieur si je peux. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Ouais, magnifique, magnifique. Allez, on va pas jouer à ce jeu-là pendant 12 heures. Hein. Oh là là. Donc, faut tout présenter, mais quand même. Ça plaira pas à grand monde. Bon, après, sur Android, voilà, t'es dans...
t'es dans le bus, t'es dans le car, enfin voilà, en fonction de ta position, t'es dans le tramway, t'es où ce que tu veux, t'es dans le train. Ça peut passer un peu de temps, mais sur Switch là, il y a quand même mieux, hein. Je pense pas. Non, 5ème lap, je pense pas arriver premier. Attention, attention, attention. Côté modélisation, c'est pauvre aussi. Hein. Oh là 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 là. Putain, le jeu est disponible depuis le 10 janvier 2020 et on a encore le droit à des grosses merdes comme ça. Autant pas faire de portage. Il y a des bons jeux indie et on se tape une grosse merde comme ça. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Qui c'est qui a développé cette merde ? Quoi, Caution ? Encore ? Oh, vas-y, c'est abusé. Hein. Par contre, je comprends pas trop pourquoi on se fait toujours les mêmes. Je suis pas dans le délire là, mais toujours le même lap, c'est un peu chiant. On va changer un peu. No asso, pause, caution. Ah ouais, d'accord, caution. Ok, throw camera, break. D'accord, d'accord. Moi, je vais me barrer surtout. X. On va faire autre chose, on va pas faire que ça. On va essayer ça. Et on va essayer de nuit, voir ce que ça donne. On va changer aussi un peu de voiture. On va prendre une bébé modifiée là. Voilà, on va prendre ça, ça, et on va voir. Voir un peu la modélisation, voir un peu. Bon, niveau gameplay, c'est pauvre. Enfin, vous avez vu un peu, hein. Là, on a fait vite fait le tour. Ça fait 5 minutes qu'on est ensemble. Voilà, oh, c'est quoi cette chose cubique de merde. Attention, ah ouais, d'accord. D'accord, donc c'est moi qui fais le cochon. Allez, on y va. Ah, c'est pauvre. Oh là là, c'est moche. Bon, bah, c'est la bonne boost de janvier. Hein, faut l'en sortir. De toute façon, sur la Switch, hein, on teste pas mal de jeux et on s'aperçoit qu'il y a pas mal de merde. Je pensais que ça allait changer pour 2021, mais du coup, non, on est toujours dessus. Donc, à 10 balles le jeu, c'est même pas la peine, quoi. Vous faites pas chier, passez votre chemin. Hein. Là, tu perds ton pognon à 10 balles. Hein. Il y a d'autres jeux comme plein de jeux que je présente sur les Gatatiques, oui, qui valent le coup. Mais alors là, pour un jeu de bagnole, hein. J'aime bien les jeux de bagnole. Hein. Mais alors là, je vais dire, ça va changer un peu, truc américain, machin truc. Ouais, bah non, on se fait chier. Hein. Plus c'est un tournoi rond là. Peut-être que l'online est mieux, mais bon, au vu des graphismes, sachant que tu peines l'online en plus. De dingue. Donc sur Android, tu dois être bazardé de pub et tout ça. Par contre, heureusement qu'il y a des grands pilotes et des belles voitures et puis tout ça et puis tout ça. Oh là là, franchement, on se fait chier quoi. Non là, franchement, je me fais chier à mort. C'est un truc de dingue. Mise à jour. Bon, on va essayer autre chose. Et je pense qu'on aura fait vite le tour. Je sais même pas par qui c'est proposé tout ça. Je peux même pas vous dire. Non, mais là, je m'emmerde. Direct, je m'emmerde. Hop, on va faire X. On va faire autre chose. On va faire midget, on va voir. Peut-être une voiture de bien qui va... Il y a d'autres circuits par là. Il y a Sniper. Full throttle. Allez, on va lever de coucher. Et on va faire cette dernière course. Bon. À mon timbre de voix et ben voilà, vous avez vu que je suis super déçu. Niveau gameplay, c'est archi pauvre, y'a rien à faire. Oh, même le son il est pourri là. Même un micro machine il est mieux sur PS1. Oh. Hop, on y va. Bon, je sais pas qui c'est que ça va intéresser, dites-moi dans les commentaires hein, si vous êtes intéressé par ce genre de jeu ou pas. J'essaye de vous trouver des bons petits jeux de bagnole, mais là en ce moment, entre le jeu de Formule 1 qui ressemble à Burnout qui est tout pourrave, ce jeu-là, Dirt Tracking Sprint Car, il n'y a que le titre qui est bien. Le reste c'est à chier. Bon, en plus je suis déjà premier, il reste 2 laps et c'est fini. Et je pense que pour nous ça va être fini aussi. Bon, au niveau débrief, bon, la maniabilité elle est archi pauvre, c'est nul à chier. Voilà, t'as vu les commandes, c'est vite fait. Niveau graphisme, c'est à chier, tu vois bien. Et c'est un jeu de 2010, bon, il était déjà disponible sur le Play Store. Bon, après, voilà. Au niveau de l'IA, bon, il y a un petit peu d'IA. Ils testent pas dans les choux, hein, comme certains jeux, comme on a vu récemment. Voilà, il y a un petit peu de fight et tout. Le jeu propose un mode online, mais online, excuse-moi. Est-ce que c'est à vous de mettre 10 balles pour essayer le mode online là-dessus? Moi, personnellement, je vais pas m'y risquer. Je vais même pas le faire. Voilà. Bon, c'était mon test archi pauvre sur ce jeu. Donc, Dirt Striking Spirit Cards. Le jeu est à 10 balles. Moi, personnellement, je te déconseille de l'acheter. Passe ton chemin, carte des 10 balles. Mets-les dans un meilleur jeu. T'as des jeux indie qui sont vachement mieux. Je te dis à la prochaine sur Regatta TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires.
N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.